construite en 1968 par les missionnaires de l'Union des Églises évangéliques des services et œuvres de Côte d'Ivoire, UESO, la Pouponnière du Mans n'est aujourd'hui plus que l'ombre d'elle-même. Clôture dégradée, panneau d'indication quasiment illisible, dans cet établissement situé à 3 km du centre-ville, il manque cruellement de tout, même du minimum. On a mis l'eau, on enlève ça là, donc ça coule, mais ça ne coule plus. Le robinet que vous voyez là, ça ne fonctionne plus. L'eau ne sort plus déjà. L'évier là, c'est gâté. Le frigo qui est là, là normalement, on a mis ici pour que les médicaments qui sont... qu'on ne peut pas mettre au chaud là pour mettre dedans. Le frigo ne fonctionne pas. Il y a les biberons, mais il n'y a plus de tétis. Voilà la casserole qu'on prépare le biberon dedans. C'est vieux. Voilà les couches. Quand on finit de préparer les tétis, on met en réserve pour fermer. C'est gâté, ça ne se ferme plus. Donc quand on ferme là, il y a les bêtes qui peuvent rentrer dedans. Ce n'est plus en sécurité. Le pire, c'est que l'accès à ce centre relève d'un véritable parcours du combattant. Route non bitumée, voie non éclairée, en cas d'urgence, l'évacuation d'un enfant s'avère extrêmement délicate en absence de financement conséquent. Alors, des exemples. À la ville, nous sommes à 1,5 km sur une voie non bitumée, non éclairée également. Et pour l'heure, nous ne disposons pas de moyens de déplacement. Nous n'avons pas de véhicule au sein de la Pouponnière. Donc, pour le cas d'urgence, généralement, c'est à moto qu'on se déplace. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Les seules subventions de l'État et de la mission biblique qui s'élève globalement à peine 5 millions de francs CFA ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement de la structure. Alors la subvention de l'État vient pour aider un peu à la nourriture des enfants. Et en dehors de la nourriture des enfants, il y a le personnel aussi qui est là. Il y a les besoins de fonctionnement également qui sont là. Donc la subvention à elle seule ne peut pas couvrir l'ensemble des besoins de la structure. Déjà que les installations de base laissent à désirer, gazon mal entretenu, toilettes délabrées, commodité de logement pitoyable, les responsables de l'établissement avec à leur tête Mme Drojoli se démènent comme ils peuvent pour assurer une prise en charge acceptable aux tout-petits. Pour ce faire, les initiatives ne manquent pas. Et pourtant, pour les membres du comité de gestion de la Pouponnière, leur mission auprès des enfants est un sacerdoce. Mais le travail que nous faisons, c'est un peu un sacerdoce. Parce que c'est une satisfaction de recevoir un enfant bébé et puis de l'encadrer 1 an, 2 ans et de voir que cet enfant est bien portant. Jusque-là, aucun geste significatif n'a été fait pour améliorer les conditions de vie dans ce centre déshérité. Pour autant, les responsables ne désespèrent pas. Certes,
Les charges sont colossales, mais les bonnes volontés existent encore. Et chacun devrait donc aider ses soeurs qui encadrent premièrement ces enfants-là à aller de l'avant. Il faut vraiment les encourager, leur donner envie de faire ce qu'elles font, mais surtout les amener à persévérer dans cette aide qu'elles apportent aux enfants. Les enfants peuvent tomber malades à toute heure. On a besoin des moyens de déplacement pour la pouponnière, pour évacuer dans un bref délai ces enfants qui peuvent tomber malades. Ou bien s'il y a des besoins en ville, il faut pouvoir aller aussitôt. Notre message est que vraiment nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin aussi de la nourriture. Nous avons besoin aussi des vêtements, de lait pour les enfants aussi, de l'huile. La pouponnière de Mans, de nouveau, est havre pour les enfants abandonnés. Le miracle reste possible pour peu que leur cri de cœur soit entendu.